Donc aujourd'hui, on va faire la courroie de distribution d'un PureTech. Donc là, c'est une C3 de 2018-2019, elle a 6 ans. Et donc, c'est le fameux moteur courroie à pain d'huile. Et donc là, c'est le 80 chevaux, donc à savoir qu'il n'y a pas de turbo. Donc on va commencer par désosser tout le dessus du moteur. Je la mettrai sur chandelle plus tard, ça m'évite de me pencher trop sur le moteur. Contrôler la courroie de distribution, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc il suffit d'aller voir sur ma chaîne comment contrôler sa courroie de distribution. À savoir qu'il y a une info qui vient donc de PSA, c'est que dans tous les cas, la courroie est à remplacer au bout de 6 ans. Donc là, on va commencer par la dépose du boîtier filtre à air. Voilà, pour commencer, on va déboîter celui-là. Sa sortie et on sort celui-là. Ensuite, douille de 7, petit collier ici. Ici, douille de 10, on sort le boulon carrément. Éclipse le petit raccord ici, la petite durée. Attention, ça a tendance à casser comme du verre. On appuie un peu dessus et on tire. Hop. Faut être assez méticuleux avec ces petits trucs là. Ensuite, on sort le boîtier filtre à air. Étape suivante, on va sortir les trois bobines. Donc douille de 8, on dévisse la bobine. Pour débrancher la bobine, on recule un peu le connecteur. On le recule ici et donc derrière, il se débranche. Une fois que la petite partie orange est reculée en arrière, pour comparer par rapport à l'autre, on peut défaire le connecteur. Là s'il y a besoin. Voilà. Ouais, faut le lever aussi. Donc on recule la partie orange, on lève un petit peu celui-là. Voilà. Donc ensuite, on peut sortir les bobines. On tire pas comme des bœufs, on fait attention. Voilà. Bobine numéro 1. Bobine numéro 2, bobine numéro 3. Ensuite, donc ici, deux petits capteurs à enlever. C'est exactement le même type de connecteur que les bobines. On recule en arrière, la bague orange. Moi, j'ai mis des petits colliers jaune-jaune et en dessous, j'ai mis rouge-rouge pour pouvoir les repérer. Parce que dans ce coin-là, il va y avoir trois capteurs au total. Donc, pour être sûr de ne pas pouvoir les mélanger. Donc, on recule la petite bague orange, on lève la petite bague noire devant. Et donc on va avoir exactement le même en dessous. Donc ici, on recule la petite bague orange, la petite clip orange. Voilà. On lève le petit clip noir derrière et on le recule. On va pouvoir
pouvoir faire exactement la même chose un peu plus loin. Un autre lecteur ici, même principe. On recule le petit clip orange, on lève le petit clip noir et on débroche. Voilà. Petite durée de verte ici à déconnecter. On appuie un petit peu, on appuie sur la petite marque verte et on recule le durée. On fait relativement attention à ces petits trucs, c'est super fragile. Son tissu pour le fond, là, il suffit de pousser le petit collier comme ça, et ensuite ça va serrer. On pousse et ça va s'ouvrir, il va falloir aller demain. Donc on pousse et ça permet de sortir une petite durite. Donc il est ouvert, on peut sortir la durite et la mettre sur le côté. Ensuite, deux vis de 10 à retirer. Donc à cet endroit-là, une vis de 8. Voilà, donc la vis de 8 qu'on vient de retirer, on y va tout doucement. Il faut qu'on sorte ce truc-là. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à le sortir, il suffit d'abord de le lever là et ensuite donc de tirer doucement dessus et on va le sortir. Voilà, fais attention de ne pas mettre de trop de cochonneries sur les joints, il y a deux joints, fais attention. Alors ensuite sur le côté du moteur, on débranche la durite, elles sont un peu raides, donc une ici à débrancher et là-bas au fond là à débrancher aussi. Voilà, débrancher. Ensuite, donc, il va falloir débrocher, enlever la petite sonde là. Donc, il suffit de la débrocher en dessous. Voilà. Donc, la petite sonde, pour la débrocher, on met un tournevis en dessous, on lève, et donc, on sort la petite sonde. Donc, la durite qu'on a libérée, on n'a qu'à, sur le principe, pincer de nos côtés, et on la sort également en faisant attention. Donc, du coup, celle-là, on peut la pousser sur le côté aussi. Il en reste une à débrancher, c'est celle-là qui est derrière, donc là le dessus du moteur, la petite sonde qui est derrière, donc il suffit, il y a une petite prise, là. Il faut se lever et tirer en même temps. Voilà. Alors, donc maintenant là, un collier à faire sauter ici, enfin à faire sauter, on le déclipse avec un tournevis, on tire dessus, ça vient. Donc celui-là, une fois que le faisceau le fait pousser, on va avoir des vis de 8 là. À dévisser et donc il y en a une, deux, trois et quatre derrière. Donc c'est les quatre plus chiantes. Donc je vais sortir le collecteur et ce sera plus facile pour voir après. Donc la première vis, ça a été facile à voir. Donc la deuxième, elle est entre les deux ici au fond. Donc on peut la débloquer avec une petite clé à cliquer en passant par là. Et pour la sortir, vous me renvoyez la main par là pour la finir. La troisième vis. On peut réussir à la troisième vis, pour reculer un petit peu, elle est trop là. Donc on peut la voir par là. Elle est ici au fond là-bas. Elle est où là? Donc la troisième vis, j'essaie de la faire voir, mais c'est pas évident. Elle est où? Là, la troisième vis, elle est là. Donc là c'est pareil. Le meilleur truc, c'est de passer par là, pas le côté gauche. Donc là, voilà la quatrième vis de sortie. Bon, bah là, il faut prendre son temps, il n'y a pas de mystère. C'est plus ou moins à l'aveugle. Avec un miroir, il faut plus ou moins essayer de les repérer. Puis moi, j'ai été à la dévisseuse électrique parce que la clé a cliqué. Le problème, c'est vraiment pas facile. Mais bon, voilà. Donc là, les quatre vis sont sorties, c'est bon. Donc là, voilà. Maintenant, celui-là, il est prêt à bouger. Donc, on décolle ses joints derrière. Voilà, les joints sont décollés et je sais qu'il va rester des petits connecteurs à démonter derrière.
Donc là, on va dégager le faisceau qui va nous emmerder de toute façon. Donc là, pour le connecteur là, je l'ai repéré aussi, c'est plus simple pour après. Il suffit d'appuyer dessus et de tirer. Et donc après, il nous reste un dernier connecteur en dessous. Il va falloir enlever ce petit raccord là. Donc c'est le même principe. Je le une là. Une là. Donc on pince des deux côtés et on retire. Je ne sais pas si on pourra faire avec la caméra. On pince des deux côtés. Et voilà. On le retire. Donc là, il va falloir qu'on descende un peu le moteur pour pouvoir jouer un peu avec. Donc on va démonter le support moteur. On va mettre la voiture sur chandelle. Voilà, donc voiture sur chandelle. Cric mis sous le carter d'huile pour soulager le moteur que je vais démonter le support moteur. Donc on va démonter le support moteur. On fait sauter le petit collier là-bas. Tac, on l'a avec un tournevis. Ça permet de pousser les deux durites. On referme et donc torque ce T50 pour 4 vis côté moteur, 2 vis côté châssis. Donc là voilà, on déclipse ce petit tuyau là, on le pousse sur le côté. Donc une fois que toutes les vis tournent bien à la main, ça veut dire que le moteur repose sur le cric. Donc on va pouvoir enlever toutes les vis et retirer le support moteur. Voilà, donc toutes les vis sont bien retirées. Le support moteur, il suffit de le prendre et de l'enlever tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir descendre le cric pour faire descendre légèrement le moteur. De la faire voir avec le miroir. Hop. Je sais pas si on arrive à la voir. J'essaierai de mettre une flèche sur la vidéo. Mais il reste une petite vis qui tient une durite. Là, elle est à peu près au centre du miroir. Il faut la trouver. C'est la fixation de ce tuyau là. Je suis dessus par derrière. Bon, là, je vais essayer de la voir. J'ai réussi à l'avoir avec un miroir dans le fond. Donc là voilà, la satanée petite vis de 8, un peu galère à avoir. Bon, maintenant on va pouvoir essayer de bouger un peu tout le carter d'émission. Donc sur le côté gauche. C'est ici, donc il faut le déclipser tout simplement. Bon voilà, donc c'est assez galère. Il faut absolument enlever ce petit clips là qui est là. Voilà donc. Petit clips là, qui servait à tenir la durite qui était là, donc celui-là faut l'arracher, faut le faire tomber. Il faut vraiment descendre le moteur à son maximum. Il y a une petite durite de chauffage là, faut pousser un petit peu dessus tout simplement. Et donc après on arrive à sortir normalement. C'est toujours la durite de chauffage, qui fait chier là. Je vais être obligé d'enlever la caméra. Voilà, il faut vraiment un peu lui tirer sur les oreilles. Là, ça y est, c'est réglé. J'en profite donc pour faire voir les vis qui sont enlevées. Donc en ce qui concerne les vis de 8, la première, donc elle est là, 1, 2, 3 et 4. Et la dernière petite vis de 8 que j'ai fait voir, c'est celle-là. Surtout, on regardera côté joint et là, on n'oubliera pas qu'il y en a un qui est resté côté moteur, donc on enlèvera tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'il est sorti, moi je vais remettre mon support moteur, je vais être plus confort parce que j'ai le cric là qui m'emmerde. Donc je vais remettre mon support moteur tout de suite. Voilà, donc le support moteur est remis. Je vais pouvoir enlever mon cric et on va attaquer, on va retirer tout le faisceau et on va libérer là, tout le faisceau électrique. Bon alors, il va rester un petit connecteur là en bas. Celui-là, il faut lui envoyer une petite tige comme ça à l'intérieur et en même temps tirer. Ah, donc ça vient. Donc, début du connecteur, c'est libre. Donc, déclipser ici, déclipser ici, déclipser là, déclipser ici, ici, pardon. Tous les petits clips du faisceau de câble. Ensuite, donc, de ce côté-là, petite durite aussi à débrancher. C'est un gros collier, il n'y a pas de problème. On le pousse tout simplement. On pousse tout ça sur le côté. Ensuite, la sonde d'échappement. On enlève le câble et on va
On déclipse le connecteur. Voilà, on va être bon pour démonter là, le couvercle d'arbre à cam. Donc vis de 8 sur le principe. Alors, il suffit de suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ici une petite astuce, c'est bon d'avoir une masse pour débrancher. Donc 12 derrière, 13, 13, 14, et aussi à l'intérieur, 15, 16 et 17. Donc voilà, moi, je me suis préparé un petit carton comme ça avec toutes les vis, pour être sûr qu'on les remette bien, je remette bien les bonnes vis au même endroit, des fois qu'il y en aura des plus longues. À noter que cette vis-là, donc la vis-là qui est derrière, et la vis où il y a la masse, ce sont des 10 et non pas des 8. Sinon, tous les autres sont des 8. Donc, petite spécificité de celle-là où il y a la masse dessus. Donc, on enlève d'abord l'écrou, on retire la cosse et après, donc, on peut enlever la vis. Après quoi, le cache qui bute, le cache arbre à cam vient tout seul. Voilà, on a accès à la fameuse courroie humide. Bon, bah, celle-là était pas trop en mauvais état. Donc maintenant, on va pouvoir démonter la roue, le pare-boue, pour accéder au calage moteur. Donc voilà, là la roue est enlevée, donc on va démonter le pare-boue. Donc quelques clips à travers de ce style, hein, et des petites vis Torx. Alors, démontage du pare-boue, l'éclipse, un clips, deux clips, trois clips. Ensuite les vis T20, une vis T20, deux vis T20, trois vis T20, 4, 5, 6, et donc en dessous à l'avant, vis T20 également, 1, 2, 3 et 4. Ensuite donc démontage de la courroie, l'accessoire. Donc là, on agit sur le tendeur, donc une dour, l'équivalent d'une Torx femelle 12 pans. Donc, pour relever la courroie, on fait levier sur le tendeur, dans ce sens-là. Et donc là, après, on peut enlever la courroie. Je ne peux pas filmer en même temps. Donc, pour détendre le tendeur, vous pouvez utiliser une clé plate de 13 de ce style. Donc voilà l'outillage qu'on va utiliser pour caler le moteur. Une petite pige là sur le volant moteur qu'il va falloir insérer côté moteur ou le volant moteur. Je vais vous faire voir comment on voit. Et cet outil là qui va être donc utilisé pour caler les arbres à cam. Donc là on utilise une clé 13 pour faire tourner le vilebrequin dans le sens horaire. On le fait tourner doucement jusqu'à ce que la pige rentre dans le volant moteur. Je vous ferai voir la pige. Ah voilà, donc là on a le carter d'huile, l'échappement, la jonction moteur boîte de vitesse, et à cet endroit là donc on a le volant moteur, et donc il va falloir enfoncer la petite pige que j'ai fait voir tout à l'heure. Voilà, elle est enfoncée là tout là-haut. On fait tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la pige rentre complètement dedans et donc bloque le volant moteur et donc le vilebrequin. Donc une fois que la pige est rentrée au niveau du volant moteur, on regarde les deux poulies d'arbre à cam, les deux petits traits là, ce petit trait là et ce petit trait là doivent être à peu près à 6 heures, ce qui fait que la petite rainure, là, le petit angle est projeté vers la butée là, et le petit angle, là, le petit trou là qui est là, est également projeté vers la butée là. Si jamais vos ergots sont l'autre côté, il suffit de refaire un tour moteur et ceux-là seront bien positionnés. Donc maintenant on va pouvoir mettre le blocage d'arbre à cam. Donc pour le blocage d'un arbre à cam, on se retrouve donc avec des plats ici, ici et ici, donc sur les deux arbres à cam. Donc on défait la vis centrale de l'outil et on va donc mettre ces champs plats là sur les champs plats ici. Donc voilà l'outil posé. On vérifie bien qu'il est embuté à cet endroit-là et embuté à cet endroit-là. Donc l'outil le plus possible à droite. Donc on va pouvoir remettre les deux petites vis de cache plastique, une là et une là, et serrer la vis centrale. Donc voilà, l'outil est serré. Moi j'ai pris un petit coup de nettoyant frein sur la courroie. Je double toujours mes précautions
Donc une petite marque en haut sur la racam d'émission, une petite marque sur le second arbre-cam, et c'est des marques que je reporterai sur la nouvelle courroie après. C'est bon, donc on va pouvoir attaquer la trappe du bas. Donc là, douille de 13, on peut démonter les trois vis de la poulie Villebrequin. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les trois vis, on peut retirer la poulie Villebrequin. Et on enlève également la courroie de pompe à eau. Donc ensuite, on va pouvoir retirer la plaque d'accès au galet tendeur. 4 vis enlevées. 1, 2, 3, 4. Voilà donc. La plaque, donc on dévisse bien ces 4 vis, les 4 vis sont les mêmes, et donc ce qui donne maintenant accès au galet tendeur, et au galet en hauteur. Ceux qui veulent changer la pompe en haut, rien de plus simple, vidanger le liquide de refroidissement là-bas, et ensuite c'est juste 4 vis pour démonter la pompe en haut et la remplacer. Moi je vais pas le faire parce que le véhicule a pas 30 000 km. Maintenant, douille de 18, là on va juste débloquer l'écrou de Villebrequin. Donc douille de 18. Donc finalement, celui-là est serré dur. Donc soit c'est à la clé à choc, soit c'est les grandes rallonges. Donc voilà, donc là on a démonté le galet tendeur, le galet enrouleur. Hop là. On va sortir complètement cette vis là. Donc voilà, donc j'ai retiré la vis de Villebrequin. Donc maintenant j'ai remis les deux petites vis de la poulie Villebrequin, hein, et donc il n'y a plus qu'à tirer pour extraire l'engrenage. Voilà, donc ça vient du sol. On n'est pas obligé de chercher à tout en tirer en même temps. Ah, bon, voilà, c'est bon. Ok, impeccable. Ceux qui voudront changer le joint spile pourront s'y faire. C'est dans le kit normalement. Donc on l'extrait, on repousse dessus et on peut remplacer le joint spile. Là je ne vais pas le remplacer, il a 30 000 bornes donc c'est pas la peine. Donc voilà, maintenant on va pouvoir sortir la courroie par le haut sur le principe. Donc, on va la faire passer sur les côtés. Donc il faut faire passer les deux morceaux là sur les côtés pour tout ramener là au milieu. Et après en tordant, on la sort vers le haut. Bon, voilà la sortie. Bon, on va voir qu'elle était plutôt en bon état quand même. Elle aurait pu faire encore un peu. Mais bon, tous les 6 ans on fait comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'emmerde. Par contre, du coup, je vais peut-être pas démonter la crépine. Voilà. Bon, voilà, là c'est fini pour le démontage. Donc on va passer au remontage. Là, c'est les références du kit courroie de distribution. Donc c'est une, là c'est une C3 1.2 PureTech 80 chevaux, donc sans turbo. Donc on trouve les deux galets et la courroie en dessous. Bon voilà, là, ce que j'ai fait, là c'est la vieille, là c'est la nouvelle. Donc j'ai reporté mes deux repères de poulies d'arbre à cam sur les deux courroies. Donc il suffit de recompter le nombre de dents pour tomber exactement au même endroit. On vérifie aussi que les courroies sont à peu près identiques dans la longueur. Et là, on va pouvoir passer au remontage de la nouvelle courroie. Donc pour remettre la nouvelle courroie, on fait exactement comme au démontage de l'ancienne. Donc on rentre d'abord au milieu. Ensuite, on écarte sur les deux côtés. Et donc après, on va pouvoir la faire descendre doucement. Voilà, donc une fois qu'on a rentré la courroie bien au milieu, on la fait descendre un maximum au milieu. On la fait passer jusque sur les côtés. On la descend. On l'accompagne un petit peu dans les trous s'il faut. Et donc là, moi j'ai remis exactement mon petit repère blanc en face du petit repère blanc en face du petit repère blanc, deux petits colliers rilsants bien en évidence, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura jamais de déphasage entre les deux arbres à cam. On va pouvoir attaquer maintenant en dessous. Alors, si jamais vous avez des courroies qui sont déjà équipées de ce type de petits repères, il faut savoir qu'il y en a un. Qui est là, une petite flèche là sur la dent, je ne sais pas si vous la voyez, juste ici, là. Petite flèche sur la dent, et l'autre côté, elle se trouve à peu près sur le champ du pied joint, là,
petite flèche également sur une dent. Bon, à mon avis, on va pas réussir à la voir, parce que comme par exemple, il y a juste le collier qui tombe dedans. Donc là, sur une dent, là, juste ici, là, ici, il y a également un petit repère. Donc si la courroie est équipée de repères, ça va être celui-là et celui-là. Donc voilà, maintenant on va remonter cette partie-là. Donc il aura bien fallu le joint torique. Et la chose importante, c'est qu'il y a un petit ergot ici. Il y a un petit ergot plat juste là au bout de ma lampe torche. Là. Et donc je vais vous faire voir à quoi ça correspond. Donc là, nettoyage du joint spi. Et on va aller passer sur l'autre pièce. Voilà, là c'est pareil. On nettoie bien la portée du joint spi. Et la chose importante, c'est que si on regarde dans le côté moteur, il y a un petit ergot là. Et l'ergot, il faudra qu'il se retrouve à 9h qu'on va le rentrer. Donc à gauche, à une position de 9h, à peu près comme ça. Et on va le rentrer comme ça. Voilà, donc il est remis. À savoir que le petit ergot correspond à peu près à l'emplacement d'une vis. Donc on doit l'enfoncer à fond. Et il doit sortir à peu près de 2 mm par rapport au joint torique. De toute façon, on sent bien le... Voilà, on ne peut pas le tourner. Quoi. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le galet en dessous. Donc maintenant, on va pouvoir mettre le galet en rouleur qui est là. Et donc la courroie sera à gauche du galet en rouleur. Voilà. Donc ensuite, on remet le galet en rouleur. Et donc la courroie doit être à gauche du courroie du galet en rouleur. Il doit être à gauche, la courroie à gauche. Donc celui-là, on l'a mis en place. Maintenant, on va mettre le galet tendeur. Voilà, donc ensuite il faut remettre le galet tendeur. Bon, c'est une grosse galère. Donc la courroie, il faut la faire passer à droite. On met à peu près la clé Allen. La clé Allen, quand on le tourne à peu près comme ça, là, à la main, comme ça quand il est tendu au maximum, la clé Allen ici doit se trouver à peu près à 8 heures. Donc mais c'est bizarre, il n'a pas l'air d'avoir de blocage interne derrière. Voilà, donc maintenant on va serrer ça. Donc là, avant de voir attention de mon galet tendeur, donc je vais remettre la vis de vilebrequin. Je vais l'approcher sans chercher à la serrer, mais qu'elle vienne juste toucher là. Sinon, le risque, c'est que tout l'ensemble se lève. Donc, hop, j'approche celui-là un maximum et je vais pouvoir passer à la tension du galet tendeur. Donc là, j'ai d'abord fait le serrage du galet en rouleur. Donc là, c'est 20 Nm. Et donc ensuite, pour faire la tension de celui-là, on va aller serrer dans ce sens-là. Hop, je vais vous faire voir après. Et là, ça sera également 20 Nm. Le but du jeu, quand on va tourner, c'est qu'on va tourner ici comme ça. Ça va ramener ça, le curseur, là, va être ramené. Il faut que ce petit curseur-là vienne entre les deux trous ici. Donc le curseur là arrive au milieu, donc juste ici. Donc c'est l'habitude, c'est toujours le même système pour tous les tensions de courroie. Et ensuite on serra ici à 20 Nm. Voilà, donc la tension courroie, c'est bon. On voit que le petit ergo est bien au milieu. Donc j'ai deux serrages. Serrer ici, première passe à 50 Nm et deuxième passe, il faudra lui mettre 180 degrés dans les oreilles. Voilà, donc là j'ai fait une petite marque blanche en haut, je viens de serrer à 50 Nm, une petite marque blanche en haut, donc il va falloir qu'elle se retrouve en bas. Sinon, dans la possibilité, on utilise ce genre d'outil qui permet donc de contrôler l'angle de serrage au choix. Voilà, donc là, on a bien fait les 180 degrés après le serrage à 50 Nm. Donc je vais pouvoir retirer la pige moteur qui est là. Retirer ensuite, je peux retirer le calage des arbres et je vais faire deux tours moteur. Donc voilà, là j'ai fait deux tours moteur. Donc j'ai remis le gabarit là qui rentre sans trop de problème. J'ai remis là, après les deux tours moteur, donc j'ai remis également la pige moteur. Qui est là. Voilà, la pige moteur qui est là. On vérifie la tension.
Attention, on va trop droit. Avec sa courroie élastique. Donc évidemment, maintenant on peut enlever celui-là et la pige moteur qui est en dessous. Donc on peut l'enlever aussi. Petite astuce pour ceux qui auraient un petit décalage et qui n'arriveraient pas à remettre l'outil. Dans ce cas-là, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Il faut recaler la pige dans le volant moteur. Après quoi, vous sortez le galet tendeur et vous sortez le galet en rouleur. Vous démontez aussi l'engrenage de vilebrequin. Avec une clé de 21, vous remettez ici dans l'axe les deux arbres à cames pour qu'ils soient les plats ici soient parfaitement au bon endroit. Je rappelle que sur le principe, ça doit être à 6 heures, les deux petites encoches là doivent être à 6 heures. Vous démontez ensuite, vous poussez la courroie, vous démontez ensuite les deux poulies d'arbres à cames. Alors pour les deux poulies d'arbres à cames à démonter, Ça va être ce genre de douille. Donc ça se desserre tout simplement. Vous les desserrez, vous sortez les poulies d'arbre à cames, vous les sortez carrément. Ensuite, vous remettez le pignon de vilebrequin. Enfin, d'abord vous reglissez la nouvelle courroie, vous reglissez le pignon de vilebrequin. Vous mettez en place les deux galets, sans tendre le galet tendeur. Vous remontez celui-là en premier. Faites attention à ce que la nouvelle courroie soit au bon endroit. Remontez celui-là en premier. Celui-là en deuxième. Il y a des petits ergots dedans. Hein. On ne peut pas se tromper. Hein. Les petits ergots, on les voit. Les petits ergots, on les voit. Vous ne pouvez pas vous gourer. Vous pouvez vérifier jusqu'à la fin du montage. Ici, les deux soient bien collés. Et je vais vous donner les deux couples de serrage de celui-là. Donc, ces deux-là. C'est 20 Nm plus un angle de 120 degrés pour finir. C'est serré dur aussi. Et donc après, une fois que la courroie est en place à tous les niveaux, vous remettez le galet tendeur correctement, vous le retendez, vous refaites vos deux tours et normalement vous allez bien tomber. Voilà. Là, on va pouvoir retirer le vieux joint. On va s'en aller avec une petite pique. Et en ce qui concerne le petit joint, donc là, on a à peu près toutes les pièces dedans. Joint couvert qui est là. On a aussi les joints SPI et puis les joints de tout ce qui est admission et tout ça. Hop, le kit joint. Référence du kit joint chez Corteco. Donc on enlève le vieux joint avec ce type d'outil là. On enlève un peu. On nettoie bien la pièce. Un petit peu d'huile sur le joint. Et on le remet bien au même endroit. On fera attention, il y a des petits ergots comme ça. Et on l'enfonce bien dedans. Il y a des petits surépaisseurs pour maintenir en place. Donc on l'enfonce bien. Il ne reste plus maintenant qu'à bien nettoyer la portée de joint sur le bloc moteur. Et on peut remonter ça. Donc voilà, la plaque est remontée. Donc on va resserrer les 4 vis. 3 et 4. 4 vis donc avec un couple de serrage de 8 Nm. 8 Nm avec une clé de 10. Voilà. Une fois que le petit couvercle au-dessus est reposé avec les vis avec un serrage à 8 Nm, on remonte la poulie du vilebrequin. Par contre, il faut tout de suite glisser la courroie de pompe à eau derrière. Donc, de toute façon, parce qu'après, on ne pourra pas la passer en dessous. Elle ne passera pas en dessous. Donc, ici, serrage, première passe à 20 Nm, deuxième passe à 25 Nm, et ensuite, c'est un serrage angulaire. Et. Pour le serrage angulaire, la troisième passe à 45 degrés, donc 45 degrés sur chaque vis. Donc ouais, pour le serrage de celle-là, faut pas hésiter à remettre la petite pige moteur, c'est quand même plus facile, ça évite que le moteur tourne. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre la courroie par haut. Donc il suffit de la rentrer un petit peu dedans en bas, à ce niveau-là, en bas, on le fait en bas, et on fait tourner dans le sens horaire ici. Et ça va rentrer tout seul. Donc ensuite, on remonte la courroie d'accessoire. Une clé de 13, 12 ports, ça marche aussi. Rappel, donc pour actionner le tendeur, on tire vers le bas comme ça un maximum.
Donc sur le principe, on sort de la poule Ivry-Brequin, on passe sous le tendeur, on remonte à l'alternateur, on redescend de l'alternateur, on passe sous la clim et on retourne à la poule Ivry-Brequin. Voilà, maintenant on va pouvoir remettre le couvre-culasse. Donc on va commencer par un nettoyage complet de toutes les petites portées, doucement, en faisant attention de rien faire tomber dedans. Et donc on remplacera également tous les joints. On vérifie d'abord qu'on a le bon joint, c'est quand même mieux. Et ensuite, on utilise une petite griffe comme ça pour retirer le vieux joint. Le nouveau, on le lubrifiera et on remplacera. Donc voilà, les vieux joints sont enlevés. J'ai passé un coup de nettoyant frein dans toutes les rainures pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites cochonneries qui restent à traîner. Donc sinon, sur les joints, il y a un sens, il y a un côté où on voit une petite double lèvre et un côté qui est conique. C'est le côté conique qui va rentrer dans le carter. Moi je vais les couvrir un petit peu d'huile un peu partout pour qu'ils rentrent un petit peu mieux. Voilà. Voilà, le problème c'est que quand je retourne le couvercle, le joint périphérique se barre. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de graisse haute température. En vérité c'est de la graisse pour frein. Et donc j'ai mis des petits points comme ça. Et donc ça devrait coller un peu provisoirement. Le temps de retourner le couvercle et de le poser, je devrais pouvoir poser le joint sans problème. Donc voilà, le couvercle remis, j'ai vérifié que je voyais bien le joint, mais quand je l'ai tourné, je l'ai secoué un petit peu, j'ai vérifié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il ne s'est pas décollé. Ce que j'avais fait au début, je m'étais fait un petit dessin pour repérer toutes les vis, donc surtout on n'oubliera pas celle-là, qui a le petit fil de masse qui est là, à ne pas oublier de le rattacher. Donc voilà, le carton est vide, ça veut dire que j'ai remis toutes les vis. Elles vont toutes se resserrer à 8 Nm. Toutes 8 Nm. Par contre, il y a que ce soit les 8 ou que ce soit les 10. Par contre, il y a un ordre de serrage assez spécifique. Je vais mettre la photo. Donc voilà, l'ordre de serrage, il est là. Donc on commence par la 1, ensuite la 2 à l'opposé, la 3 en bas, la 4, et je vais mettre la photo. Ça va être plus simple. Donc tout est serré en croix. À la fin on fait un tour tout autour au milieu pour vérifier les serrages et surtout on oublie pas la petite vis derrière le câble à fixer avec le petit écrou important. Maintenant on va commencer le remontage des bidouilles. On va reclipser le petit câble de son, on va le reclipser ici et à l'arrière. Donc ensuite on reclipse le faisceau, donc un clipse ici, un clipse ici, un clipse ici, ici on remboîte par dessus, on remet le faisceau à peu près à sa place, ici donc on reclipse par dessus et on a le petit connecteur marron là dans le fond, la tête est marron, c'est le seul. C'est le seul à qui j'ai pas mis de collier ici, donc il suffit de le renfoncer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas fait le repérage avec des petits colliers de couleur, voilà comment se présente le faisceau. Deux courants à gauche, on part ensuite sur deux autres. Le plus long, le plus court, et donc c'est sur le plus court qu'on va remettre, donc reclipser ici. Là, on voit donc les trois trous d'admission là, donc on va venir nettoyer les portées de joint qui sont à ce niveau là. Donc là on va faire comme le carter d'arbre à cam, donc on va sortir tous les joints. Là je viens d'en sortir un nouveau joint, bah, moi ils sont noirs, ça m'emmerde un peu parce qu'on les verra pas. Ils vont là, donc c'est pareil, il faut les faire tenir. On met un petit peu de graisse haute température, genre graisse à frein, pour bien les faire tenir et être sûr qu'ils ne tombent pas. Donc au fond, pour bien bloquer les joints, il existe des petits blocages dans les gorges. Là, il y en a un en haut, un à gauche, un en dessous et un à droite. Donc ils servent à bloquer légèrement les joints. Voilà, les trois nouveaux joints sont en place.
Le problème de ceux-là, c'est qu'ils sont noirs, c'est complètement con. S'il y en a un qui se barre, ça se verra pas forcément. Donc cette pièce-là, elle est prête. Maintenant, on peut retourner sur le moteur. Alors sur le moteur, sur le côté-là, on vérifiera bien que là, le faisceau, il reste un clip à mettre. On va le mettre tout à l'heure. Mais surtout, ces deux petites liaisons-là, on va les mettre en dessous en stand-by parce qu'il faudra surtout pas oublier de les rebrancher, quoi. Donc on les met en dessous et non pas devant. Et non pas devant. Et ensuite, donc, on va pouvoir remettre un cric en dessous. Sous le carter moteur et on va redémonter le support moteur. Moteur sur cric, support moteur donc retiré, le moteur est donc descendu au maximum. On vérifiera juste les bien petite durite là qui est en attente à droite, celle-là qui est en attente en dessous. Comme je disais tout à l'heure, ces deux-là en attente sur le côté là, on les rattrapera tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir reglisser l'admission. J'en profite pour faire la dernière petite plaque, la vis de 8 qui nous a emmerdé en démontage. C'était cette petite plaque là, qui viendra ici. Donc on n'hésite pas à pousser un petit peu. Là, ce que je vais me faire, c'est d'éclipser celui-là. Hop. De telle façon à la reculer et la remettre. Après, il tourne celui-là. Il est un peu tournant. Donc, il faudra penser à bien remettre celui-là. Donc, par contre, il faut laisser la place. Donc, j'essaie vraiment de le descendre au maximum. Voilà, là il est rond. Répète, donc on le glisse un peu de travers comme ça, on arrange tous les câbles, on fait attention que rien dérange, les petites sondes de côté, dessus, et au fond, il faut d'abord essayer de l'enquiller derrière, le glisser un peu derrière, et ensuite le rabattre comme ça. Donc là, ce que je vais faire, j'ai juste prévissé les deux petites vis là, pour qu'il trouve bien sa place. Donc pour les deux là, tout simplement, les deux petites vis de 10. Donc, pour vérifier que la petite plaque et la dernière petite vis là qui est derrière est bien reculée. Et donc maintenant qu'on a mis les deux petites vis là, je vais pouvoir mettre la première vis du collecteur d'admission, donc vis de 8, et ensuite donc je vais remonter les quatre. Bon, pour mettre les vis derrière, il n'y a pas trop le choix, il faut y aller avec un miroir avec la main gauche, la vis avec la main droite. Et ce que j'ai fait moi, donc là j'ai pris une petite rallonge avec une douille de 8 que j'ai accrochée ensemble avec du scotch de peintre. Et la vis, je la bloque légèrement aussi avec du scotch de peintre. Comme ça je pourrais la prévisser et je pourrais tout retirer ensuite. Donc voilà, donc les 4 petites vis du collecteur d'admission sont mises derrière. Donc couple de serrage des 4 petites vis, 8 Nm. 8 Nm pour les 4 devant, donc les 4 de derrière de 8 et 8 Nm pour les 2 vis de 10. Donc autant vous dire que c'est un serrage assez faible. Donc voilà, les 4 sont serrés au couple. Maintenant, il reste la petite plaque métallique à revisser. Oh, je vais essayer de la faire voir, mais... Donc la petite plaque métallique, là si on regarde dans le miroir, on n'arrive pas forcément à voir. Donc il reste la petite plaque métallique avec la petite vis de 8, donc à visser sur l'admission. Pour remettre cette putain de petite vis de 8, là, ce qu'il faut, c'est remettre la durite dans son petit clip, là. Surtout comme ça, la plaque va tomber en face du trou. J'essaie de faire voir avec un miroir où ça tombe à peu près. J'ai laissé la rallonge. J'ai laissé la rallonge et la douille. Donc là, on voit le scotch de peintre à l'endroit où la vis va, quoi. Donc voilà, celle-là est remise. Pareil, serrage à 8 Nm. Donc alors ensuite, avec le miroir, un petit clip de câble à remettre. Donc il est juste en dessous de la petite vis de 8. C'est approché juste en dessous de la petite vis de 8. Donc il y a un petit câble à agrafer. J'essaierai de mettre une flèche. J'essaierai de mettre une flèche sur la vidéo, si c'est possible. Alors étape suivante, on reprend cette petite durite là. Qui va sur l'émission d'air aussi. Donc le petit côté bleu, donc on va le reclipser ici. Donc on le renfonce et surtout on entend bien le clic et on vérifie qu'il est bien attaché. Après quoi on peut le tourner un petit peu comme ça. Donc, ensuite on va pouvoir remettre tous les connecteurs, donc le faisceau. Donc il nous en reste deux comme ça qui viennent du moteur. Donc un coudé et un long. Et donc on a déjà remis là celui du fond, là, on l'a déjà remis. Il nous reste donc celui qui vient du fond là. Il va venir donc se brocher ici. La caméra en même temps, c'est vraiment pas l'idéal. On reprend, c'est ce que je disais, donc celui qui arrive du fond, il va se brancher sur le connecteur là. Donc on enfoncera bien à fond.
On a ensuite le câble de la sonde. Le câble de la sonde, donc on remet à sa place. On le remet par là. Donc on a donc celui qui est coudé, qui vient sur celui-là. Sur celui-là, voilà, comme ça. Donc celui qui est coudé, qui revient sur la sonde. Et donc le jaune, qui revient sur l'admission aussi. Donc voilà. Voilà comme ça. Donc je vais d'abord faire sauter tous les colliers. Pas oublier non plus un petit clips ici. Là. Reclipser. Ne pas oublier de reclipser le petit câble sur son support. Pareil, le connecteur de la sonde d'échappement. Elle a un petit clips ici à les mettre. Donc elle vient se remettre comme ça. Elle vient donc se remettre ici. À cet endroit-là. Donc là, côté admission, un petit clips de câble à enclipser ici. Donc celui-là à remettre à cet endroit-là. Hop, voilà. Donc ensuite, il y a cette fiche-là. Donc ça va juste derrière. Donc je vais mal la filmer. Son petit bout de mousse, donc on vient la repositionner à cet endroit. Donc on repousse, surtout on essaie de faire ça bien droit. En aucun cas, faut que ça force. Et hop, donc là, elle est clipsée et on la reclipse aussi derrière. Voilà. Donc le petit support de durite qu'on avait démonté là, donc faut le remonter ici au-dessus. Donc on le présente tout simplement. Un petit peu de travers et on tourne de 180 degrés. Bon, je vais le faire après, mais on va le tourner d'un cran comme ça. Et il restera aussi la petite sonde moteur ici, sonde de température, qu'on va donc, c'est la petite là qui reste, on va donc venir la remettre ici sur son support. J'ai oublié de dire, si on suit la durite, donc il y a le petit bout de mousse ici, donc il y a un premier clips qui est là, il y a également un deuxième clips pour la durite qui se trouve ici. Voilà, donc on va oublier de la remettre. Ensuite, donc, on va remonter cette petite bête-là. Donc, sur le principe, on la rampe d'abord côté admission, là. Donc, j'ai mis un peu d'huile sur le joint. Et donc, ensuite, une fois que c'est rentré, on peut le faire descendre de ce côté-là. Donc, on le fait bien descendre. On vérifie qu'il est bien en place. Et donc, ensuite, on peut remettre la petite vis de 8. Donc, pareil, c'est rage 8 Nm. Ça n'a rien de serré comme un bio. C'est du plastique. Donc, maintenant, on va remettre la grosse durite là avec son filtre. Donc là il n'y a pas trop le choix. Ça vient ici. Clips et donc et on remet dans son support. On va donc le reclipser dans celui-là. Je suis en train de chercher pourquoi il ne rentrait pas dedans là, mais c'est tout simplement parce que le moteur est baissé. Donc il faut au moins que je relève le moteur tout de suite. Ensuite, donc à cet endroit-là, il nous reste un connecteur multibroche à remettre. Bon, pour faire plus simple, on renfonce. Donc, oui, petite remarque importante que j'ai pas dit pour ces types de connecteurs, là, évidemment on repousse le petit picot orange après. Idem pour cela. Donc tout cela, on n'oubliera pas de repousser les petits picots orange. 1, 2, 3. Et donc je vais vérifier le dernier, mais normalement c'est bon. Donc étape suivante, on va remonter les bobines. Donc rien de plus simple. On vérifie qu'il n'y a rien qui soit tombé à l'intérieur. Normalement non, ça peut toujours arriver. Donc on reglisse la bobine délicatement, on la renfonce, on y va par un coup de marteau forcément, on prend son temps, on appuie. Ensuite, donc on remettra le connecteur et on serra ici également 8 Nm. Voilà, les trois bobines sont remises. On n'oubliera pas de renclipser les petites sécurités orange derrière. Et donc là, on va pouvoir remettre le boîtier filtre à air. Donc sur le principe, relativement simple. On renquille ici, on remboîte et la petite vis de 10 qui va refixer le support là en haut. Donc on enquille d'abord ici et après on met la petite vis de 10. Petite note pour le remontage du filtre à air, il y a un petit ergot ici donc qui vient dans la petite encoche poteur. Donc pour mettre le filtre à air, au fond on le lève à l'arrière,
on l'enquille un maximum de telle façon là, à ce qu'il vienne toucher. Et une fois qu'il est bon, on le redescend. Et donc ça va se clipser en dessous. Et là, donc on peut revisser la vis de 10, revisser le collier et mettre la petite durite. Tac, voilà. Maintenant, il nous reste la durite de l'air là, à mettre. Donc à savoir que cette petite partie-là ira dans le trou qui est là. Là, on voit un petit coup de peinture pour un clips. Le petit coup de peinture pour le clips, il est là. Et donc, l'entrée de cette durite là rentrera dans le filtre à air ici. Donc maintenant, on va remettre le support moteur à sa place et refixer les deux petites durites là. Voilà, donc, pour remettre le support moteur, on lève le cric un petit peu plus haut. On fixe d'abord les trois vis là, qu'on serre à l'approche. Après, on redescend un petit peu le moteur, de telle façon à ce que le côté châssis vienne à toucher. On remet les deux vis là et on serre toutes les vis à 60 Nm. 60 Nm. Et donc on enlève le cric en dessous après. Ensuite, on n'oubliera pas de remettre les deux petites, les durites à cet endroit-là. Donc voilà, on va être prêt à démarrer. Mais à savoir que donc si la courroie avait été dégradée, commençait à se dégrader, il aurait fallu en plus donc déposer le carter d'huile. C'est les petites vis là qui sont en dessous, sous le carter d'huile. Donc vidange, changement de filtre à huile, changement d'huile, afin de vérifier la petite crépine là qui est en dessous. C'est une petite grille métallique bien à nettoyer, quoi. Et dans ce cas-là, on remonte le carter. Mais bon, là, il y a déjà eu des vidéos aussi là-dessus. Donc je me concentre sur la vidéo de la courroie. Bon, allez, on va démarrer le moteur. Donc voilà, le moteur tourne. On vérifie bien que les courroies ne bougent pas sous le côté. Hein. Et puis, ben voilà, c'est terminé.